Yo, c'est Buridays, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur God of War 2018. C'est la 23e vidéo et on va continuer les aventures de Kratos et son fils que voici, Atreus. Du coup, c'est parti, on s'est arrêté juste devant cette tête de géant. La dernière vidéo, on a quitté aussi sur un affrontement avec un... Comment ça s'appelle encore ces trucs-là? Les anciens, je crois, les anciens de, je crois que c'était un ancien de glace d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises, on va regarder ça vite fait. Alors, ancien de glace, c'est bien ça. Et ouais, j'ai galéré. J'ai galéré, je me suis surtout un T'as la peu cible énervé. durcie de l'arbre monde, ça tombe bien. Ouais. Je sais pas si on aura besoin de ça. Non, pas pour l'instant en tout cas. Bah du coup, on va... Ah si, là-haut. Du coup, on va continuer et avancer vers là-haut. Alors. D'accord, je n'ai pas visé. D'accord. Pense bien. Le mec, c'est pas visé, quoi. Putain. Ah, mais c'est pas possible. Non. Il est où? Ah, j'ai eu peur, je croyais que j'allais pas réussir. W. Alors il y a un truc que je pige pas trop avec leur délire là. W. Attendez. Ah, ça c'est une pyramide, je crois. C'est pas un dessin qui est de d'ailleurs, attendez. Hop, hop, hop. Ah ouais, ça c'est bon, ok. Pourquoi j'ai besoin de vie, moi? Hop. Ok, donc là, il faudrait trouver un E et un R à l'envers. Enfin, renversé, plutôt. D'ailleurs, c'est quoi les trucs là-haut, là? Ah, bah, d'accord. Ok bro, c'est parti. Allez, d'accord. Ah mais, je suis pas visé ou quoi? J'ai réussi. Oui, ça a l'air. Ok. Mais si, je sais pas. Atreus, Quoi? suis-moi. J'arrive tout de suite. Ah, mais il faut que je tourne vers là, je suis bête, hein, des fois. Voilà. Ah, on a réussi. Un petit coffre. Qu'est-ce que ça va être? Marque du lance, objet légendaire, enchantement. Objet augmente de 6% les dégâts infligés par tous les lanceurs lancés de hache. Ok. Ouais, 2 secondes. On va juste regarder un truc d'abord.
On va mettre ça, bon, ok. Ensuite, compétences, est-ce qu'on peut modifier des trucs ou pas? Juste regarder lequel serait le mieux. Viser, maintenir un pour sexer trois cibles sur un ennemi ou une cible sur trois ennemis distincts. Ok. Ça, à la rigueur, je pourrais le prendre. C'est ce que je vais faire. Voilà. Ensuite, là-dedans, on a quoi? R2. Le TR2 peut effectuer une frappe rageuse, ok. Ok. Pour l'instant, on laisse comme ça. Et du coup, Atreus, les dégâts électriques se transmettent désormais d'un ennemi à l'autre. Ça, c'est bien, on va le faire. Ça peut être très utile. Les flèches lumineuses causent de plus grandes explosions. Ok. Les flèches lumineuses affichent désormais des dégâts des seulement aux ennemis. Ok. Augmente énormément les dégâts infligés par les flèches et au corps à corps. Et l'autre augmente énormément la cadence de tir à l'arc SR. Bon, pour l'instant, on va rien mettre. On va laisser comme ça, c'est très bien. Alors là, 9000 points quand même pour améliorer ça, ok. Et l'autre, c'est combien? Et l'autre, tu es à fond, c'est vrai. Ok. Et lui, du coup, 13 000 points pour améliorer. Oh la vache, toi. Assez violent, ça. Bon ben voilà, pour l'instant on est bon, c'est reparti. Et on va repartir du coup vers la tête du géant. Parce qu'on n'a plus rien à récupérer ici. Allez, c'est parti. Évidemment. Haha, alors, et moi les malins. Bon, j'ai pris un coup, mais voilà. Ça s'est vite terminé. Tête de Tamur. Comment on descend?
J'ai un plan. C'est vrai? N'aie pas l'air si surpris. Mon frère, je doute que même Thor, armé de Mjolnir, puisse traverser cette épaisseur de glace. Alors Thor est un idiot. Voilà qui promet du spectacle. Ah. Atreus. Je suis prêt. Tu... Putain. Ah ouais, t'esquive. Un tir, côté gauche. Oh, comment ça? Ah non, par contre, ça, ça va pas se faire comme ça. Mais toi là-haut, tu commences à m'énerver avec tes trucs. Ah putain! Oh, c'est pas vrai. Putain, mais... Oh, foiré, putain. Moi, oh, je vais m'énerver. Ah ouais ça. Encore. Génial. Ok, plus que ça. Ah t'es, essaye encore. T'es un peu idiot toi. Hein. Oh putain, il y en a un deuxième qui arrive. Ça c'est pas une bonne chose par contre. Putain. Ok, deux. C'est parti! Let's go! On va vous casser la gueule! Oh putain! Attention à toi! What putain. Oh non 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 non. Pas cool, pas cool. Hop là. Raté, c'est encore. Toi en premier. Ouf. D'accord, génial. Putain mais... Ok... Fini... Là... Rigolade. Mange-toi ça. Quoi? Ok. Fils de... Ok, adieu. Pff.
Donner de grands coups de hache ne brisera pas sa garde, mais si PHC son brise-garde, il devrait créer une ouverture, appuyer deux fois sur un. Ok, le drogueur au bouclier. Génial. Manquait plus que ça. J'en ai récupéré des trucs là. Alors. Un petit signe permet d'en suivre un. Père est assez fort pour parer l'attaque d'un ogre, mais il lui faut ensuite un instant pour se remettre. Mieux vaut l'éviter. Ok. Ah, la Sindri. Ah, c'est Sindri, j'ai l'impression que c'était Brock. Et tain, ça c'est du pif. Il y a des choses à récupérer là. C'est bon, on a tout récupéré. Ok, on est bon. Impressionnant ce... ce combat. Tiens, attrape. Oh, c'est ce qui s'appelle gâcher une pomme qui était parfaite. Par où es-tu passé? Il n'y a nulle part où se cacher ici. Ah, ça. C'est un petit tour que mon peuple maîtrise. Une façon de ne pas s'être vu. Tu peux devenir invisible? En fait, je peux entrer dans le monde qui se trouve entre les royaumes. Et comme ton esprit ne peut comprendre ce qu'il voit, il ne voit rien du tout. C'est comme ça que nous évitons d'avoir à utiliser les armes que nous créons. Mais ça ne marche pas sur les dragons, apparemment. Ton frère se demandait si tu mangeais suffisamment. J'imagine que je peux lui dire que oui. Brock a demandé comment j'allais. Est-ce que son haleine sentait l'hydromel? Tu l'as laissé toucher à ta hache. Allons voir ça. C'est pour ça que Brock était dans le temple juste après la baisse du niveau de l'eau. Il est passé entre les royaumes. Allez, silence maintenant. J'ai besoin du silence complet. Et voilà. Trouver un accès au marteau. Ok. Mettons-nous au travail. C'est à proposer, toi. Ouais. Ça, c'est pour améliorer en fait juste. Plus 1, plus 1, plus 4, plus 1, ok. Là, on va améliorer ça. Après, ça coûte un peu plus, hein. Ça, je peux améliorer aussi. Ok. Il y avait quelque chose d'autre? Non. Bon, ce plan que tu as... Tu l'as deviné. Te connaissant, il ne doit pas s'agir de rester ici. Correct.
Mais comment on va avancer? Oh, ta mère aimait vraiment les bijoux, apparemment. Il en avait même dans sa barbe. Pour ma part, je trouve qu'il a de l'allure. Enfin, pour un cadavre couvert de neige. Eh, hey, il y a un de ces cristaux d'éclat parmi ces bijoux. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire, ce bordel? Quoi? Ah, pff, arrête. Ok. Ah. Attention, mon atelier est juste là. Voilà, t'as 4 mètres par mètre là. Il ment. Pauvre Fafnir, la ligne est mince entre l'ambition et la cupidité, vous savez. Là-bas. Est-ce qu'on va entrer dans ce bâtiment? Oui. Tu crois qu'on y trouvera ce qui nous aidera à briser la glace et à atteindre la pointe du burin? Non. Je continue à chercher. Je n'en ai pas besoin, mais bon, c'est pas grave. J'en étais sûr qu'il allait me faire une attaque de merde. Un manteau. Merde, je me suis encore raté. Waouh, t'es costaud toi. J'en étais sûr qu'il y avait quelqu'un qui me faisait chier là-haut. Oh, je suis débile ou quoi? Oh, et toi tu... Dégage, microbe! Oulalala. Ça envoie ton truc là. Et prends ça. Et prends ça aussi. Un manteau. Laisse-toi tranquille. Non, non, pas ça. C'est quoi ce truc? Pourquoi? C'est une blague.
Non, je vais mourir. Putain. Maintenant, on l'allume. Dégage. Dégage. Dégagez les... Oh fils de... Putain. Foiré, hein. C'était quoi ça? Des vagabonds? Mon dieu. 15 vagabonds. Oh putain, il y en a 15. Oh mon dieu. Putain, il était balèze celui-là. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Nous le montrerons aux nains. Ah, les ombres. Super. S'il parvient à créer sa bombe, père peut toujours l'empêcher de la lancer en le visant avec sa hache. Ok. Champion vagabond. Ce vagabond porte un immense bouclier sur son dos, ce qui rend son armure déjà très résistante, presque impénétrable. J'avais pas remarqué. C'est quoi ça? Travaux. Fabriquer l'armure du vagabond. Bah oui. Ok. Bon, il y avait un petit texte à lire, mais je l'ai pas lu, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Ok. J'essaye de comprendre ce qu'il faut faire. Mais de toute façon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va s'arrêter là et du coup, on continuera la prochaine fois. Et de toute façon, à mon avis, faudra passer par là. Il y a un truc à faire avec ça, je sais pas ce qu'il faut faire en fait. On verra bien lors de la prochaine vidéo. Et tout à l'heure aussi à l'extérieur, j'ai vu un truc avec Thor, avec le marteau de Thor. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ouais, c'est ça en fait, le truc là-haut là. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. De toute façon, c'est le truc qu'il va falloir faire. Hein. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous a plu et on se retrouvera très prochainement pour la suite des événements de Kratos et Atreus sur God of War. Donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao. PlayStation.